Et ben coucou tout le monde. Aujourd'hui on est à Valluon pour la STD. Il fait un temps magnifique. Je crois qu'on va avoir de belles images sur la caméra. Comme on dit chez nous, il drache. Donc aujourd'hui il y a Amandine et aussi Thomas qui est là. C'est parti, on va découvrir les routes du Ternois. Ah, ça va donner aujourd'hui parce qu'il a plu toute la nuit. Encore ce matin, il pleut comme une vache qui pisse. Et ça va être comme ça toute la matinée. Plein de boue au fer, c'est bien ça. Ouais, carrément. Je comprends pas, habituellement, cette météo, elle est réservée à la Télusienne. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe, quoi? 3 km, le boîtier de pédaline en fait déjà. Puis, on est déjà recouvert de boue de la tête aux pieds. Ça va donner. En tout cas, c'est une sacrée organisation d'arrière. Faites gaffe, les gars. Oh là 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 là. Alors, c'est une boue très liquide. Comme on dit dans le Nord, c'est de la boulique. La route barrée. T'es sûr qu'on passe là? Ah, oh, il y a de sacrés flaques. Oh la galère. Ah oh, ben je sais pas ce qu'il y a de mieux au final. J'ai mon cul qui chasse. Putain. C'est impossible. Je vais me rouler là. Blou blou blou. C'est une aise pour sortir de ce truc là. Non, je vais aller jusqu'au bout. Ouais. Je suis en train de suivre Loïc l'amateur. J'essaye de le rattraper, mais il fonce. Hein. On arrive, Arnaud. Oui. Ouais, je l'avais perdu justement. Là, voilà. Quelles conditions. Ah, les voilà, ça va. Je les ai retrouvés. Donc là ce sont les murs de l'abbaye de Belleval. En fait, il n'y a plus de sœurs. Hein. Ça a été longtemps habité par des sœurs. Et ces sœurs fabriquaient du fromage, le célèbre fromage de Belleval qui me rappelle mon enfance. Je crois que c'est depuis les années 2000 hein, qu'il n'y a plus personne. Je crois que vous n'allez pas beaucoup m'entendre aujourd'hui parce qu'il faut quand même être vachement concentré. Le terrain est vraiment bien abîmé avec la pluie. Ah, c'est l'abbaye de Belleval ici. Eh oui, encore le magasin.
Ah, il y a même la visite guidée, toi. Bon, on va regarder vite fait. Une fois deux minutes. Voici l'abbaye de Belleval. Ouais, vas-y, Fabrice. Ah ouais, bah je vais y aller du soir. Hein. Ça passe, ça passe. Wow, wow. Dérapage contrôlé. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. On est en train de monter cette colline là depuis tout à l'heure. Ouais. On n'en voit pas le bout. Ah, ici c'est super vallonné, hein, ce coin ici, Trois-Vaux, Belleval. Ouais, on va pas toujours dans un ruisseau. Ça dégouline tellement il pleut. C'est super joli, hein, par contre, franchement, si vous méritez, quand il fait beau, il y a de beaux endroits pour faire de belles promenades. Notamment le bois de l'abbaye. Allez, sort les jambes. Alors je sais pas si Arnaud en a parlé, mais moi je dénonce. Hein. Arnaud il est originaire de ce secteur, il est originaire de Saint-Paul-sur-Termoise. Donc on était super content de faire cette rando pour rouler ici. Mais bon, je crois qu'on reviendra un jour où il pleut pas pour mieux profiter. Ah, c'est la campagne du Ternois, la campagne ternésienne. Et ça continue, Gadou. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Faut bien choisir par où on passe. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de rouler dans une rivière. Ah, disons, pour le retour sur mes terres natales, ils m'ont gâté, hein. C'est très joli par ici. Je sais pas dans quel bled on est, mais c'est super sympa. Il doit y avoir un petit cours d'eau apparemment. Ouais, petit cours de bois. Ouais. Ah non, il est même bas. Il est même pas en bois, il est en ciment le pont. Ah, tant mieux. Et là, on est en train de longer la Ternoise. C'est la terre noire. Par ici, c'est super vallonné. Allez, monte au bas, grimpe. Oh, oui. À droite. On a pas de traîner ces plans. Ouais. T'as vu, hein. Salut, ça va? Jusqu'à l'autre. Ça glisse, hein, ouais, c'est pas bien. Quel temps! Quel temps! Bon, on rentre, on se dira, bon, on l'a fait quoi? Ouais, ouais, c'est ça! Ouais, on l'a fait, ouais! On l'a fait, t'as les gants, j'arrive même plus à sortir! Bah, moi je les tiens même pas! Ah, bah, c'est les mêmes, tiens! T'as une deuxième paire là? Non, même pas! Un petit coup de menthe! Hop! Un beau petit gobelet de la Jackass qui vous donne rendez-vous les 17 et 18 juin pour leur premier événement raid de rando! Bonjour. Alors Thomas, devant la caméra, tu prends l'engagement de faire le 2x30. Allez go. Okay. Ah, parce que Thomas il veut pas faire le 45, donc on fait 2x30. Voilà. Bon allez, à la base on était parti pour faire le 45, mais vu les conditions météo, vu l'état des terrains, le 30 sera déjà bien. On est mouillé jusqu'aux os. On a froid, il y a de l'eau partout dans les chaussures, pouf, de la boue. Quand tu bois, tu prends ta gourde, t'as l'impression de manger de la boue. Ouais, donc 30, ça sera déjà bien. Oh, depuis tout à l'heure, on patine. Ça glisse bien. Je fais des petites frayeurs. Les gants sont trempés, c'est un froid de canard.
Hop, 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 hop. Pardon. Oh putain, j'ai galéré. Faut pas s'arrêter quoi. T'arrêtes là, c'est mort. On n'a pas le choix là que de faire trempette. De toute façon, foutu pour foutu. Ouh, attention ici, plongeons. Ouh. En tout cas, le parcours il est vraiment chouette. Après, ils ont bien conçu le parcours parce qu'en fait, le 45, c'est le 30 plus une boucle de 15. Le 60, c'est 45 plus 15. Et c'est vrai, ils ont été malins quoi, de concevoir de cette façon, même pour pouvoir eux baliser le parcours, ça doit être plus simple. Ouais, voilà, bah carrément. On va bien remuer cet été pour la refaire. Ouais. C'est quand même plus agréable. Ouais. C'est vrai que du coup, on profite pas trop du décor, quoi. Moi, il m'avait vendu du rêve avec la vidéo de l'année dernière, avec un beau soleil. Hartung, Hartung. Ah, c'est quand même super joli ici. Allez, c'est reparti. À gauche, c'est moins grave. Oh, je vois pas. C'est vrai parce que... On va pas vous faire le coup du patinage artistique de la Puma, mais c'est un peu ça quand même. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ah ouais, quand même. Ah non, mais non, gentil, hein. Après, quand il fait sec, bon, déjà, c'est dur. Mais là, c'est même pas la peine. Attends, il y a un champion qui arrive derrière. Oh champions. Bah, les champions, ils arriveront pas plus que nous. Oh, allez, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Allez, à fond, allez, allez, à fond, à fond. Allez, on fout la gauche. Ah, c'est mort. Non, 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 à fond, à fond. C'est pas la peine. Non, non. Même à pied, je crois qu'on va se marrer. Allez. Bon, mais bon, bon. Vomis, allez, à patte. Ah, nous, la pied. Voilà, là. Oh, punaise. Ça patine. Ce genre d'endroit, il faut pas s'arrêter en route. Merci. Ah ben... J'ai les nez, bof. Ouais, ça patine à chaque fois. T'as pas d'accroche? Non, t'as pas d'accroche. Une fois que t'es arrêté, c'est ouais, mort. C'est tout, ouais, tu vas aussi vite à pied, au ouais. Final, hein. On est d'accord. On vise la carte. Attention à la machine.
Là, la machine. Oh, la machine. Allez, vas-y, t'arrêtes pas. Allez. Oh, pousse, oh, pousse. Allez, je regardais mon compteur, je voyais 9h30. Bon, je dis, bah, c'est mieux, on fait 30 km en 1h30, bonne moyenne. Mais non, il y a le changement d'heure, il est 10h30. On a oublié, enfin j'ai oublié de changer l'heure du compteur. Et oui. En plus, il fallait se lever tôt, il y a le changement d'heure aujourd'hui. Franchement, faut vraiment être mazo. Hein. Faut couler par ce temps. Oh, c'est ce qu'on aime aussi dans le VTT, se faire mal des fois. Je savais pas qu'on passait une épreuve nautique aujourd'hui. On aurait pu prendre une barque. Il va quand même falloir qu'il fasse un peu de soleil, hein, sinon vous allez croire qu'il pleut tout le temps chez nous. Le vent qui s'en mêle, après la pluie, la boue, le vent, la STD inoubliable. C'était une bien belle rando malgré les conditions compliquées. Franchement, moi j'ai bien apprécié. Je pense qu'on va revenir dans le coin quand il fera meilleur avec Arnaud pour pouvoir en profiter davantage. Mais vraiment sympa. Et puis on était bien accompagnés aujourd'hui de Thomas et Laurent. Donc un bon petit moment, une belle matinée. Bien boueuse en plus, comme j'aime. Il pousse le vis jusqu'au bout. En vrai, on est arrivé. Hein. Et bien avec cette rando, je crois que je suis devenu un vrai sanglier. J'ai eu mon baptême. Je pense qu'Amandine va me donner mon brevet de sanglier. En tout cas, au top l'organisation. Merci de rester. Ah, là, ouais. Ouais. Bon, ben, il y a un rando qui se termine tranquillement. Moi, j'ai passé un bon moment. Très belle organisation. C'était le top. Allez, ciao, ciao. On se dit à bientôt sur le vélo. Il pousse les vis jusqu'au bout. Thank you.